Ouais, je me dis que si je me déchire la tête, je déchire le test. Donc j'aurai des notes qui déchirent. Logique. Ouais. Ah, merde. Ça marche pas, je dois pas être assez défoncé. C'est un fantôme, mec. D'accord, c'est sympa d'avoir prévenu. Et moi, je suis là en train de faire le bouffon depuis un quart d'heure. On va bientôt passer numéro 2 parce que je m'inscris et je vais te piler. On s'entraîne demain matin 6h. Ça va aller? Parfait! D'habitude, je me lève à 4h. Ça me fera une grasse matinée. On s'en fout de l'histoire. Allez, moi, je me casse. On s'en fout de l'histoire. Ouais, on s'en fout de l'histoire. Monsieur Moïse, vous n'oubliez pas qu'il y a une interro écrite demain. Tu peux te la foutre au cul. Un prof blanc qui vient m'apprendre à moi l'histoire des Quebla, n'importe quoi. Je vais aller bouffer. Et après, j'irai chier un coup. Bravo, voilà le genre d'attitude que j'admire. Je rêve de m'en faire une qui soit obèse. Plus de rembourrage pour le bourrage. Oui, je suis à la recherche de territoire vierge. Désolé, fiston, Jamie n'accepte pas de contact masculin pour le moment. J'essaie pas de la contacter, je suis déjà là. Cédric, poussez-vous, s'il vous plaît. Ouh, oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jamal. Tu as fait de la prison, Jamal? Non. T'as jamais frappé ta mère parce qu'elle a osé te demander où t'as passé la semaine? Non, bien sûr que non, tu délires. Tu n'es pas mon type. Oh, attends une minute! Attends! Une fois, j'ai braqué une bagnole et j'ai passé 48 heures au poste. Mais ma mère n'a pas porté plainte. Ce n'est pas vraiment de la délinquance, mais il y a peut-être matière à faire quelque chose. Pure pelouse, méga touze! Je savais que Hugs serait pas là, alors j'ai ramené l'un de mes potes pour les platines. Est-ce qu'il assure? Oui, il est muet, alors il parle avec ses mains et il est bien rodé. Bon, super, on essaie. Éclatez-vous bien, les gars, faut que je file. Hey, commence pas à foutre le boxon, d'accord? T'as fini, oui? Qu'est-ce que tu fais avec ton assiette? La soirée va être longue. Qu'elles sont planquées, ces putains de poufiasses. Eh, hey, mais y'a de quoi faire les courses là-dedans, regarde ça, une mini-pute. Eh, hey, ça va, mini-pute? Hein? Tu sais qu'une mini-pute comme toi, ça peut demander un maxi prix. Bon, où sont mes poufiasses? Quand j'avais 9 ans, j'adorais regarder quand mon chien se léchait la bite. J'aimais bien quand on jouait ensemble. Ah, putain, c'est dégueulasse. C'est quoi? Tu l'as filé qui donne ça? Va peut-être falloir que je réduise un peu les doses. Maintenant j'ai faim.